Oula, toi qui regarde cette vidéo, oui, toi qui es derrière ton écran, est-ce que tu me reconnais? Non, je déconne. Hola tout le monde, ici Nagami, aujourd'hui on se retrouve dans mon lieu de tournage favori, que sont les vidéos d'information, qui est donc uniquement et simplement... Pouh! Fou! Ça sent pas le mec là qui a répété 40 000 fois la même scène parce qu'en fait ça s'arrêtait pas de bugger. Mais oui, nous sommes bien dans ma chambre! Aïe! Bref, comment allez-vous? Bah écoutez, moi je vais super bien, enfin plus ou moins, dans le sens où bah je suis pas super heureux de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo information. En général, les vidéos information, c'est pas forcément les vidéos qui sont les plus joyeuses à écouter. Ça peut forcément ravir plus d'un dans la mesure où je montre que je ne suis pas mort, quoi, tout simplement. Mais ça peut aussi en déplaire d'autres. Bah forcément, la cause à effet, l'effet conséquence, enfin bref, vous m'aurez compris. C'est pas forcément des nouvelles joyeuses. Bref, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est pourquoi je ne fais pas de vidéo. C'est tout simplement parce que dernièrement, en fait, pour vous expliquer un petit peu ma vie, j'ai fait une vidéo. Je suis passé à la dernière version de Sony Vegas, qui est Sony Vegas Pro 12. Et en fait, bah, quand je lance des rendus, sauf pour des petits rendus en 720p, j'ai fait une fois un rendu qui a duré 10-20 secondes, un truc comme ça. Bah, justement, pour la prochaine vidéo que je vais vous produire, pour la 720p, ça va pour des rendus qui durent moins d'une minute et encore, mais des vidéos qui durent au-delà de 5, 10, 15, 20 minutes, que ce soit de la 720 ou du 1080, le PC freeze, enfin en grosso modo bug, à partir des 4-5% de rendu, ce qui fait que même l'échappatoire que tout le monde connaît, le contrôle alt supre, ces trois doigts là que tout le monde connaît, et bah ça marche pas en fait. Bah mon clavier ne répond plus, la souris ne bouge plus, enfin le curseur de la souris ne bouge plus plutôt, et donc je suis obligé de faire un redémarrage forcé de mon ordinateur, ce qui fait que c'est pas super top pour lui. Je parle de mon ordinateur bien évidemment, ça est pour employer un terme commun, et ben ça l'abîme. Enfin voilà, j'ai pas envie de vous prendre pour des gogoles, c'est juste que je suis un petit peu fatigué, excusez-moi. Et donc voilà, pour vous tenir au courant, ce qui est vachement dommage parce que j'ai 3 vidéos en réserve, 3 ou 4, je sais plus, j'ai notamment la suite de l'aventure Minecraft, j'ai la suite de l'épisode Wikinect, l'épisode numéro 2. Oh, ça c'est pas mal ça comme transition. Et ensuite, j'ai une troisième vidéo. Bon, cette vidéo là, je vais pas forcément vous en parler étant donné que c'est la prochaine que je vais vous produire, donc j'ai pas trop envie de vous spoil. Quoique, si je peux vous donner un tout petit indice, écoutez le bruit qui va suivre, c'est-à-dire là. Alors, est-ce que ça vous a mis un petit peu sur la piste? Moi je pense que oui, je pense même que vous avez compris sur quel jeu j'allais jouer, enfin bref, c'est toujours pas plus mal hein, de vous fournir quelques informations, de vous mettre quelque chose sous la dent comme on dit, pour éviter que bah, justement que vous lassiez un petit peu trop. Et d'ailleurs, en parlant de vous, en règle générale, je vous remercie d'être aussi fidèle à mes vidéos, tout simplement. Vous êtes toujours là à cliquer sur les petits boutons. Ah, ça y est, je suis la bombe de temps, il y a une vidéo sort, waouh. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que je suis vachement content de mon public, qui est vachement fidèle, qui est là pour regarder mes vidéos à chaque fois que j'en sors, quoi. C'est agréable, c'est vachement agréable de savoir que vous êtes toujours là, que mon travail est vu au moins par quelques centaines de personnes. C'est toujours pas quelques milliers, mais enfin bon, moi je m'en fiche, tout ce qui compte c'est que je vous divertis, vous. Je cherche pas à faire de la quantité, mais toujours de la qualité, comme je le dis à chaque fois. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que c'est vrai que depuis entre l'épisode 2 et aujourd'hui, nous sommes passés de 810 à 822 abonnés, un truc comme ça. Je suis pas du genre à compter, hein, je suis pas du genre il me faut des abonnés. Non, c'est plutôt que dans ce genre d'information, c'est-à-dire où je ne produis pas de vidéos, je cherche au maximum à m'informer, à répondre au plus vite aux commentaires, aux messages qu'on m'envoie, parce que je réponds à tous les commentaires, je réponds à tous les messages privés qu'on m'envoie, et je réponds même à des propositions qui peuvent paraître peut-être insolites, tous les messages que vous m'envoyez, je les réponds tous, enfin... Pour l'instant, j'ai pas encore 50 000 abonnés, c'est vrai. Mais quand j'en ai 850, 100 000, 1 million, je m'en fiche. Je répondrai à un maximum d'entre vous dans la mesure du possible. Et je continuerai, quoi, tout simplement. Enfin, voilà. Ouh, je me rends compte que je suis déjà quasiment à 5 minutes d'enregistrement. Donc bref, pour résumer le tout, un grand merci à vous qui êtes fidèles et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous inquiétez pas, je vais vous produire des vidéos dès que je peux. Minecraft, FPS, jeux de course, Kinect, tout plein de choses.
Et encore une fois, désolé de ne pas pouvoir vous produire de vidéo. Voilà, maintenant, on passe au deuxième sujet, c'est-à-dire les quelques questions que je voulais vous poser. Je vous ai envie de vous poser deux questions. Deuxième sujet, deuxième question. Waouh, transition un petit peu. Excusez-moi, ça me gratte un petit peu le pif. Ça enregistre toujours ? Oui, ça enregistre toujours. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, deux questions. Alors, la première étant la question du professionnalisme. Je me demandais si peut-être un jour ça vous intéresserait que je me professionnalise un petit peu plus. C'est-à-dire que je voulais débattre dans une vidéo d'un sujet intéressant, parce que de trouver des sujets, forcément, c'est facile. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de la fabrication des feuilles de papier double. Je trouve pas, en fait, il y en a qui sont certains grains que. Non, voilà. Des sujets vraiment intéressants, c'est vraiment pas facile à trouver, pas facile à débattre parfois. Et je voulais savoir si éventuellement ça vous intéresserait de voir ce que ça pourrait donner si vous me donnez un sujet à débattre, si ça pourrait vous intéresser, voir ce que ça pourrait donner sur une plateforme pour vous divertir, bien évidemment. Par exemple, Call of Duty, c'est facile de entre guillemets facile de parler dessus tout en débattant, on va dire, c'est la plateforme la plus commune et la plus utilisée pour échanger certaines opinions, enfin bref. Faites-moi part dans les commentaires si vous voulez que je débatte, simplement. Si la réponse est oui, dites-moi quoi. Parce que si vous me dites oui, ça va pas m'aider davantage, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas facile de trouver des sujets intéressants. Et dites-moi aussi à combien vous voudriez que je commente ce genre de débat, si vous voulez que je le fasse tout seul. À 2, à 3, à 4, on va comme ça monter une grosse orgie. Non, attention les enfants. Une orgie est tout simplement un petit bonbon, une canne, vous savez, sucre d'orge. Voilà. Non, excusez-moi pour ce petit aparté, pour ce troisième ou quatrième petit aparté. Bref, dans les commentaires. Voilà, je me répète assez souvent, je suis un petit peu un petit monsieur Vélouze. Juste dans le fait que je parle beaucoup, pas dans sa qualité de raconter les choses. Deuxième question maintenant, est-ce que vous serez présent à la Paris Games Week? Si oui, dites-moi quand et quel stand vous voudriez voir davantage. Même si vous y allez pas, hein, qu'est-ce que vous attendez de la Paris Games Week? Parce que moi je compte y aller sur 2 ou 3 jours peut-être, on sait jamais. En tant que visiteur, hein, j'ai pas eu la chance d'avoir un badge blogueur ou un badge presse. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo souvenir et c'est pourquoi j'aimerais savoir quelle priorité, enfin qu'est-ce que vous préféreriez le plus voir afin que tout simplement vous voyez plus des choses qui vous intéressent que des choses qui vous intéressent pas, quoi, voilà. Je compte aussi au passage faire une vidéo. Je compte plutôt au passage faire une rencontre abonnée, voilà, où je risquerai sûrement de faire gagner des lots. Bon, c'est pas des lots énormes, hein, je vais pas vous faire gagner un téléphone, un jeu vidéo, ce genre de truc. Je mise plutôt sur la valeur humaine que sur la valeur de l'objet, quoi. C'est-à-dire, je risque peut-être de vous faire gagner un poster ou enfin des petits trucs comme ça, je sais pas encore. De toute manière, je compte faire une vidéo spéciale annonce, je décolle à Paris Games Week. C'est pour ça qu'il faut que vous me répondez super vite si vous allez ou pas, parce que il me manque des éléments et ces éléments ils peuvent pas être émis sans vous. Et il faut que vous me dites si vous y allez, quand, combien de jours, quel jeu vous voudriez voir, etc, etc. Il y a plein de choses. Et surtout aussi pour la rencontre abonnée, voilà. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement vous faire gagner d'autre? Là, il y a un truc qui me vient en tête. Oui, le McDo, voilà. C'est un exemple type d'échange sur la valeur humaine. Je compte faire gagner à une personne un McDo, mais bien évidemment, ça se gagnera sur place à la Paris Games Week. Un menu, hein. Vous n'allez pas prendre 42 Big Mac et tout pour nourrir toute votre famille, hein, je vous connais. Hein. Enfin voilà, je blablate pas trop. On est déjà à 9 à 10 minutes d'enregistrement. Waouh, c'est vachement long, je pensais pas parler autant. Écoutez, encore une fois, j'espère que le rendu de cette vidéo va se faire. Dites-moi tout ce que. À la Paris Games Week, si vous. Enfin bref, je me répète. Paris Games Week, professionnalisme YouTube. Et de laisser un commentaire, les commentaires là-dessus, les pouces, favoris. Vous abonner en haut, juste là, c'est totalement gratuit. Quoique c'est vrai que. Attendez. Là. Voilà, ça doit sûrement être par là ou par là. Enfin bref, je m'en souviens plus. En haut, c'est gratuit pour vous abonner si c'est là ou si c'est là, je sais pas. Mon Facebook et mon Twitter dans la description qui seront très importants pour la rencontre abonnés. Et notamment les informations par rapport à mon départ à la Paris Games Week. Et lisez la description, franchement, parfois je mets des petits trucs assez sympatoches.
des petits clins d'œil ou même des annonces, des petits indices pour mes prochaines vidéos, des projets, enfin bref. Voilà, voilà, j'épilogue pas plus, je sais que j'ai beaucoup parlé. Je vous prie très sincèrement de m'excuser pour avoir pompé 10 minutes de votre temps. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Portez-vous bien, mangez des nems. Stay tuned, guys. Eh, vous voulez voir un truc super cool? Regardez. Hop là. Comme un... Oh, comme un gros sadique. Et bah, y'a des gens qui courent dehors, qui font leur endurance. Et moi, je suis pépère à la maison. Enfin bref, ciao les gens. Ouais, Colin. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu passes dans 5 secondes, dépêche-toi. C'est sérieux? Bah oui, allez, hop.